Quatrième pack. Alors, Maltine se prépare d'affilée. Le Gorgon, ben moi je me suis éclaté en 3S. J'ai arrêté pour l'instant, pas parce qu'il est HS ni rien. On va sortir le Rustler qui a donc le 2400 kV, pignon de 19. On a mis 3S et on a le cardan plastique. Et je pense ce qui va faire le plus de mal à ce cardan, par contre, ce sont les roues. Puisqu'on a mis ici les Ropex qui sont de taille MT. Donc avec cet étagement et tout ça, le poids en plus, le cardan plastique il va souffrir là. Du coup, on finira la batterie sur le Gorgon. Donc quand l'étagement est pas trop long, regarde, il part tranquille, hein, il loquette pas. Regarde. J'ai pas de cogging. Le trimmer un petit peu aussi, lui. Là, c'était un peu trop. Là, c'était un peu trop. Voilà. En parallèle, il est chaud, c'est bon. 4 packs d'affilée. Écoute, c'est pas déconnant. Non, c'est pas trop. Franchement. Je vois, il s'appire, mais ça va bien. Ah, mais les deux. Ben, je pense là le pignon il est déjà un peu trop gros avec ses roues et du coup le moteur il... Nickel. Le moteur il n'arrive pas à libérer toute la sauce, t'as l'impression. Ah si, ça vient. Ça vient. Je suis curieux de voir combien de temps le cardan plastique il va tenir ça. Oh. Ah, c'est la fatigue hein. Le petit Rustler, il est high lift là. J'ai rajouté un centimètre de garde-sol. Je crois que j'ai ricoché, chef. Tu vois les chevaux là, en fait, quand on roule le long, quand ils sont de ce côté, ils suivent les voitures. Ils n'ont pas peur? Non, non, ça les intrigue, ils viennent voir, ils se promènent avec. Il est là, la petite carte, c'est pas compliqué. Je vais aller voir où je suis. On va voir si c'est la traversée propre. Ah, nickel, hein. Il est arrivé jusque là. Ah, bien joué. Ah, la vache. Ah, ça c'est l'avantage du 4x4, hein. L'autre il voulait me manger le tulle. Ah, les roues de Monster, c'est magique. Oh. Oh, 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 oh. Bonjour. C'était voulu. C'était bien le but de lui faire peur. Tête qu'elle a fait. Écoute, il va... Franchement, je suis étonné.
me suis dit qu'une minute ou deux, l'axe plastique, il allait dire bye bye. Hein. Surtout que c'est avec les impacts, les sauts là. Comme quoi, hein. Pauvre cardan central plastique. Alors ça c'est un truc pas mal aussi. J'ai fait un front flip. Ça n'a pas suffi, j'ai tapé sur l'aileron et du coup il s'est retourné sur les roues. Comme il se coud. La vache. Et qu'on la brûle tout. Oh, j'allais dire ça, méfie-toi, en travers c'est dangereux. Est-ce que tu perds l'assiette? Alors c'est juste bien quand t'arrives. Ah attention. Nous en a mis une autre là. C'est juste bien si tu arrives, si tu décolles et tu reprends l'autre côté. T'as vu ça l'autre? Il nous en a posé une là-bas et une là. Toute fraîche. Et ça tous les jours. C'est quand même dommage qu'ils aient sorti le BL2S à 400 balles. Hein. Sans lipo, sans chargeur, hein, ça fait mal hein, pour les. Pour une entrée de gamme. Hein. Et en plus, c'est vrai que c'est con, t'es bloqué en 2S. Tu veux évoluer, t'es obligé de changer tout le combo. Ça fait tout de suite un budget qui picote. Hein. Ouais, ouais, il commence à fraîchir le vent. Hein. Ce matin, il y a un vent chaud et là, il refroidit. Oh, 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 oh. La même que le petit, hein. T'as vu ici, il y a une petite bosse là. Ah regarde, je crois que j'ai plus que les roues motrices avant. Regarde, ça y est. Mais c'est bizarre, parce que si j'ai que les avant, c'est bizarre. Parce que l'entraînement du slipper est direct sur le train arrière et il y a le tube qui part vers devant. Donc j'ai aucune raison de perdre l'arrière et pas l'avant en fait. Il y a un truc desserré. Parce qu'il n'y a pas de diff central. Hein. Ah non. C'est tout, elle tourne pas noir. Ah, c'est les roues qui sont desserrées. C'est les roues? Ouais. Attends, il serrait ça comme un bourricot, toi. Mais le cardan, il n'a pas branché, hein. J'hallucine. J'aurais parié qu'il lâche en 2-3 minutes. Et non. Ah. Ah ouais. On va vite l'enlever, voir l'état de l'exa. Hein? Ça va. Il fait une propulsion par friction. C'est ça. Non, le truc, c'est de tenir le cardan quand tu serres maintenant. Regarde. Tu vois, ça marche.
Tu vois, il y va. Ah, c'est juste à droite que t'avais. Ah ouais. Mais t'as raison, je vais serrer tout. Sois pas con, Mani. Attends, je vais tenir le cardan, je vais lui mettre un petit coup de serrage en plus. En essayant de pas exploser le cardan. Ah, ça va faire pop. Est-ce que j'aurais arraché la fusée avec le serrage? Hein? Ouais. J'hallucine que l'arbre central, il... Attends, on va voir s'il vibre au moins. Hey, il bronche pas. Non. J'ai juste lâché parce que j'ai le pneu qui s'est pris dans ma main. Regarde ça. J'hallucine. Purée. Hey, Tamia peut aller se rhabiller. Traxxas ont fait un cardan plastique qui vibre pas en 3S. Ah, eh ouais. C'est pas pour rien qu'il y en a autant qui roulent Traxxas. Je me suis dit, il va faire. Ah, je crois que la roue a déjà lâché. Je crois que la roue est déjà repartie. Sérieux? Ah ouais, je suis en 3 roues motrices là. Ça va être chaud pour te remettre. Ah ouais, je crois qu'il y a tout le roulement qui est sorti là. Non, non, c'est redesserré direct. Ah, c'est même pas sa faute, hein, le pauvre. Ok, on verra les tests, la suite des tests. Évidemment avec... toujours le tube plastique, puisqu'il a l'air de vouloir tenir, hein, cet animal. On mettra bien sûr nouveau les roues d'origine. Et du coup, je vais contrôler un peu sur le gorgon. T'as cassé ? Bah, la roue s'est desserrée direct, nous. Mais le cardan, il bouge pas. Hein. Donc je rebranche le cerveau, Mani, c'est en 4-2, hein. Attention les sauts. Oh. Merci. Ah, il trace quand même. T'as pas la carreau à l'arrière qui est détachée? Si, si, c'est ce que je t'ai dit, elle s'est arrachée de la fixation. Le clip c'est dedans, la fixation carreau y est, mais elle est plus fixée sur la fixation. Ah. Tu vois, il s'est déchiré. Ah oui, j'ai pas vu qu'il était comme ça déchiré. Ah, mais c'est toi avant quand tu m'as roulé dessus. Mais j'ai vu une fois une rouge qui me... Hey, il traverse! Yeah! Et moi, je te regarde faire, tu vois. Oh, et la carreau. Regarde, et la, regarde le bruit qu'elle fait. Écoute, écoute, écoute. C'est comme les vrais, là, c'est Grave Digger, tu vois. Ah, je suis content d'avoir mis les mousses. Hein.
Arbre, oh, ça c'est juste. En gros, là, si tu la mets sur le toit, t'as quelque chose pour protéger? Tes tourelles, elles montent plus haut que le vario? Ouais. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il est posé. Il est vraiment au milieu, milieu. Hein. Ouais, un peu de scotch, c'est bon. Pas mal de scotch. Pas mal de scotch. Ben, un rouleau devant, un rouleau derrière, et on les attache à chaque arrivant. Arbre. Ah, ça c'était moche. Ah ouais, attention, hein. Il est où le boula boula? Il est où le boula boula? Il est quelque part par là-bas, non? Méfions-nous! Oh, regarde comme tu m'as cassé la carreau maintenant. Là en vidéo, là, regarde ça, regarde! Et c'est que le sticker, ça, tu vois. Ah là, regarde, c'est un goron. C'est un goron. Il est un peu plus court d'un côté. Voilà. Non mais en 3S il est bien. Il n'y a rien à dire. Oh. Yeah, c'est ça, je te dis, tu vois, une fois qu'il se prend dedans, hein. Je crois qu'on est au fini, là, ça va. Les pilotes vont être morts avant les lipos. C'est bon. Ah, le fameux virage à droite là-bas, hein, dans l'air plus épaisse. Ah, tu m'as eu, hein. Tu m'as eu. C'était couru d'avance. Ah ouais, ça ouais. Effectivement, t'as vu, j'ai pas décollé. Il m'a achevé. Mais faut que je... Ah, c'était là le boulard, mais on a marché dedans, hein. Ah. Marcher ou rouler. Mais c'est pas le même, c'est encore un autre. Ah bah je suis sur les roues. De toute façon, il est coincé. De toute façon, là, faut que je fasse gaffe parce que je pense que le moteur il a bougé un peu dans le support. Hein, tu vois? On va s'arrêter là. On va pas le massacrer, hein.
faut régler un peu l'entre-dents. Non, c'est que de la terre, moi. Ça va? Monte tes pattes. Ouais, dur à dire. On va pas renifler pour moi. Ah, vache. Ah. Putain, j'ai vite là. On va voir si c'est... On va vite enlever le cache transmis. On a envie de voir si ça a bougé là-bas. Là, t'as une coupure aussi, ouais? Ah, j'en suis mort, ouais. Ah, bon, c'est bon, alors, on a fini synchro. Je vais juste voir avec eux, là, quand je les ai embarqués sur la caméra encore, les gars. Ausculter ce truc, là. Alors. Mes dents vont bien, ça c'est déjà cool. Ouais, regarde comme il s'écarte, regarde pas qu'un ouais. Peu, hein. Je sais pas si vous voyez, les gars. C'était en contact par sympathie. T'as pas bronché ta couronne? Non, non, mais je me suis arrêté à temps, donc ça c'est dommage, hein. C'est juste planté dans le plastique là. Ça mériterait un truc un peu plus costaud là, hein. Du côté de l'ancrage, tu peux juste appuyer dessus pour le. Je vais comprimer le pneu là pour pouvoir bosser. Ce tournevis, allez, ça c'est celui qui. Alors je sais pas pourquoi celui-là, l'hexagone au bout, il est un peu surdimensionné en fait. Là, t'arrives pas. Enfin, ça à la maison. Hein. Bon, de toute façon, il a rien, donc c'est bon. Tu vois, le tournevis, il rentre même pas dans l'empreinte. Ça va combien? Mais c'est un. Tu vois, mais je sais pas, il a un bug au bout. Après, c'est bien quand t'as des vis un peu défoncées déjà. Mais là, quand elles sont deux. Non, mais c'est du combien? Deux. Alors, 3, 1,5. 2,5. 2. Ok, on va t'avancer. Et on va te resserrer. Soudé. Essaye de voir bouger encore. Soudé aussi. Celle-là ne bougera plus. Attends, t'attends. Si. Je finis juste. Je remets mon cache aussi. Je vais juste vite le lancer sur la route un petit coup pour voir si on est bon. Histoire comme ça, ils ont tout vu. Pas comme sur les chaînes où ils disent beautiful and amazing, tout va bien. À chaque atterrissage, la caméra recommence de l'autre sens. Je les adore ceux-là. En 200 sauts, et tu vois jamais la moitié des atterrissages, il manque. C'est pas grave. Ouais, il est dans la sacoche. Je vais juste le lancer sur la route pour voir. Tiens. C'est pas grave, on va à la maison, ouais, t'inquiète. Ouais, on est bon. Il y a tellement de vent comme la carreau et haute. Quand j'ai tourné, j'ai cru qu'il allait se renverser à cause du vent. Et n'empêche, t'as vu comme il est stable, hein. Un moteur devant l'essieu, c'est magique, hein. Regarde ça. Il dévie ni à gauche ni à droite. Et même au freinage, t'as vu. Tant que tu doses ton freinage, t'es propre, hein. Regarde. C'est pas le camp, hein. Ouais. J'adore. En plus, la batterie en coupure, donc c'est bien.